Bonjour, pour cette vidéo tutoriel destinée à vous présenter donc quelques exercices de renforcement musculaire. Aujourd'hui, on va travailler donc la cheville, renforcer cette partie-là. C'est très important pour le coureur, le runner qui veut faire un peu de trail nature ou simplement pour courir de façon efficace sur les sentiers, petits chemins. Alors, l'exercice va se faire. Alors, je vais poser ma balle de tennis. Vous verrez tout à l'heure à quoi elle sert. Donc, je vais vous expliquer déjà les bases de l'exercice. Il suffit simplement de positionner ses pieds là, bien parallèles. On lève une jambe et on soulève, on se met sur la pointe des pieds. Voilà, on essaye de garder son équilibre. Oula. Voilà. Donc, pour ça, on peut s'aider de ses bras. Faire le balancier et on garde la pause quelques secondes. Quand vous vous sentez bien à l'aise, vous allez faire un mouvement de montée-descente avec la cheville. Voilà, donc là, on n'est pas sur les orteils, hein, on est en appui sur la voûte plantaire, enfin la voûte plantaire, sur hop là, en tout cas pas les orteils, mais cette partie-là de la chaussure. On ne se met pas sur la pointe des pieds, sinon on bascule. On garde bien ses appuis ici. Attention, hop. Je suis pas très doué, hein, cet exercice-là, je dois bien vous l'avouer. Voilà. Donc là, on sent tout de suite que ça chauffe au niveau du mollet, au niveau de la cheville et des métacarpes du pied. Voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais, les métacarpes. Ça chauffe, ça chauffe. Une fois qu'on a fait 10 allers-retours vers le haut et le bas avec la cheville droite, on fait la cheville gauche. Donc voilà, on se met bien à l'équilibre. On se met sur hop, sur les métacarpes et on fait un aller-retour. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, et 10. Voilà, on a fait 10 de chaque, 10 de l'autre. On se détend un peu et on peut recommencer. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, oula, sept, 8, 9 et 10. Donc, et on commence 10 pour la série sur la cheville gauche, etc. On fait ça 5 fois, hein, 10 de droite, 10 de gauche et on recommence 5 fois. Donc, au fur et à mesure qu'on va faire l'exercice, on va avoir un équilibre de plus en plus sûr. Hein. Donc, c'est ce qu'on appelle la proprioception. C'est-à-dire les points d'appui, les points d'équilibre et la solidité de la cheville. Donc, ensuite, ma balle de tennis, à quoi elle sert? Tout simplement, quand on est arrivé à un niveau assez avancé, ce qui n'est absolument pas mon niveau, voilà ce qu'on peut faire. Je vais essayer de vous le montrer. Alors, on va se positionner, voilà, sur un pied. On lève la cheville et avec sa balle de tennis, hop là. Alors, on garde bien son équilibre entre chaque frappe de balle. Ça va nous, hop là, ça va nous permettre de, hop là, d'être encore plus précis sur notre équilibre. Voilà. Bon, c'est assez miraculeux, j'ai réussi. Et on fait ça 10 fois à droite, 10 fois à gauche.
On souffle un peu et on recommence. 10 fois à droite, 10 fois à gauche, donc 10 fois, 1, 2, vous avez compris. Voilà pour cet exercice de proprioception de la cheville. À vous!